Hey, salut, comment allez-vous? J'ai pas d'intro, donc on va commencer tout de suite. Vous avez ouvert After Effects? Non, bon, allez, on va faire une. Je vais vous apprendre à faire une écriture manuscrite comme si on signait à la fin d'une vidéo. Donc vous importez votre vidéo, vous la glissez soit dans aucun qui va la faire automatiquement. Donc moi j'ai pris une image. On va aller sélectionner notre outil texte. Vous écrivez ce que vous voulez. Moi je vais écrire mon pseudo. Bon, c'est un peu long. Voilà, comme ceci. Je vais la mettre en bas ici. Voilà, comme ceci. On va aller dans effet, génération. On va chercher trait. Voilà, comme ça, il est fait. Maintenant, on va mettre tous les masques. Comme ça, c'est fait aussi. On va zoomer sur notre texte. On va sélectionner l'outil plume qui est ici et on va tout simplement faire nos barres. Bon, en attendant, je mets l'épaisseur à 0. Donc c'est très simple, vous faites contrôle, vous sélectionnez votre calque, un clic gauche et on fait nos barres comme ceci. Donc tac, on fait contrôle, tac et c'est reparti. Donc on fait ça, oula. Donc on fait ça jusqu'à ce qu'on ait fini de créer tous nos calques. Il y a une méthode plus simple à faire, mais elle rend moins bien. Donc là, c'est vrai, ça nous crée plusieurs calques, mais au moins on aura un meilleur résultat. Donc on fait H pour se déplacer et on clique sur G pour sélectionner notre calque. Et on continue. Je veux dire notre outil plume. Donc je réexplique, on fait CTRL, on maintient CTRL, on fait un clic gauche. On lâche contrôle et c'est reparti. On fait H pour revenir un peu par là, G pour reprendre, tac. On va aller jusqu'ici. Donc comme ceci, voilà. On va modifier son épaisseur. Oups. Merde. Voilà. J'avais eu un tout petit souci.
juste modifier ce point-là et ce point-là. Maintenant que c'est fait, on a tous nos masques. Donc on a déjà sélectionné ça. On appuie sur V pour reprendre ça. On va faire à peu près cette épaisseur-là. Et là, on va mettre afficher l'original. Voilà. Donc on met une petite clé sur fin. On met à 0. On va avancer de quelques secondes et on remet à 100. Donc on peut voir que là ça s'écrit vraiment bien. Voilà, donc 5 secondes c'est un peu abusé. Mais voilà ce que ça donne au final. Bon, ça s'écrit assez rapidement. Donc après vous avez juste appuyé sur U et régler la fin ou le début. Donc on va mettre assez rapide. Donc ça met à peu près 2 secondes quoi. Ouais, une petite seconde et demie. Donc voilà, ça donne un côté sympathique à notre vidéo de fin. Ça rend un petit truc très 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 sympathique. Voilà. C'était XTKNX AK Pro HD. On se retrouve très vite pour de nouveaux tutos. Ciao ciao!